Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ici c'est Jonathan from Walk to Successful. Eh oui mon ami, on est là ou pas? Donc j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si jamais ce n'est pas encore fait. Normal. Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. En chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Eh oui mon ami, là tu auras le choix, ok? Ce n'est pas des chemins pour devenir multimillionnaire ou millionnaire, mais c'est des chemins qui vont te permettre de gagner de l'argent. Et encore, il y en a certains qui ont un potentiel de pouvoir aller jusqu'au million sans problème, ok? Donc commençons tout de suite. Première chose, tu peux faire de l'affiliation. Alors c'est simple, l'affiliation, c'est que tu fais la promotion du produit de quelqu'un que tu vends et lui te reverse un pourcentage de la vente. Donc ça peut varier, ça peut être 40%, 50%. Donc si jamais tu ne connais pas des gens avec qui tu pourrais faire ça, bon il y en a partout hein, normalement, mais tu peux aller sur Jivizo par exemple. Tu vois, sur Jivizo, tu vas sur ce site-là et il y a énormément de produits qui sont disponibles pour pouvoir être revendus en affiliation. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est toujours un peu dans le délire de... d'affiliation, pas exactement, c'est de vendre des produits en marque blanche. Mais en marque blanche, c'est quoi? C'est simplement que tu vas acheter les droits de revente d'un produit où il y aura la marque blanche et tu pourras, marque blanche, ça veut dire que tu peux renommer le nom du produit. Par exemple, si le nom du produit, ça s'appelait Jivizo, par exemple, tu pourras mettre Supertex, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas d'où je sors ce mot-là, mais Supertex, tu pourras mettre Supertex, tu vois, sur le nom du produit et tu pourras le vendre du coup avec ton propre nom, ton propre logo. D'accord? Donc ça peut être par exemple des logiciels, tu vas sur Jivizo, il y a des produits qui sont disponibles en marque blanche. Et comme ça, voilà, ça te permet d'avoir ton propre produit entre guillemets. Ok? Donc ça, c'est pas mal cette technique de marque blanche. Troisième chemin, monteur vidéo. Alors monteur vidéo, bah, c'est tout simple, tu te formes à faire des montages de vidéos, tu t'entraînes, il y a énormément de vidéos sur comment apprendre à monter une vidéo. Et après tu proposes tes services à des gens qui ont besoin d'un monteur vidéo, tout simplement. Il y a énormément de youtubeurs qui auraient besoin d'un monteur vidéo, des infopreneurs. Monteur vidéo, c'est quelque chose qui fonctionne bien, tu vois. Will Smith, il a ouvert sa chaîne, il a un monteur vidéo. Donc, monteur vidéo permet de pouvoir générer de l'argent grâce à Internet. Quatrième astuce, proposer ses services sous 5euros.com. Alors, 5euros.com, en fait, réunit plusieurs freelanceurs. Donc, ça veut dire que tu peux proposer tes services. C'est pas, moi, par exemple, si tu es bon, tu sais comment faire perdre du poids, tu peux proposer tes services sur 5euros.com. Si jamais tu es bon en traitement de texte, tu peux proposer tes services sur 5euros.com. Si jamais tu es monteur vidéo, ben, tu peux aussi le proposer sur 5euros.com. En fait, dès que tu as une expertise ou quelque chose qui peut aider quelqu'un, tu le proposes sur 5euros.com et tu seras rémunéré pour ça. Cinquième chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, c'est d'être tout simplement youtubeur. Bon, ça c'est connu, hein, mais youtubeur, instagrammeur, snapchatter. Donc ça, le principe, c'est de créer une audience qui vont te suivre, qui vont apprécier ta personnalité. Donc du coup, après, il y a des entreprises qui peuvent venir et te demander est-ce que tu peux parler de mon produit à ton audience, etc. Donc ça peut te faire de l'argent. Une fois que tu as une audience, de toute façon, tu peux faire énormément de choses. Parce que de nos jours, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'attention des gens. Maintenant, l'Internet fait largement concurrence à la télé au niveau de l'attention. Les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux et peut-être de moins en moins sur la télé. Enfin, c'est ça c'est, j'avoue, je ne l'ai pas vérifié. Mais je pense que les gens sont plus souvent sur les réseaux sociaux que devant la télé. Donc, tu peux prendre ce chemin-là si jamais ça t'intéresse, si jamais tu es persévérant, d'accord? En fonction des chemins que je te donne, forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Là, créer une audience, ça prend du temps. Et ça demande de produire du contenu de manière régulière. Sixième chemin, tu peux faire de l'e-commerce, le fameux dropshipping ou Amazon. Donc, le principe du dropshipping, c'est de créer une boutique en ligne, d'accord, où tu vas prendre les produits de AliExpress, tu vas les mettre dedans et tu vas promotionner via ta boutique Shopify les produits de AliExpress. Donc après, quand les gens vont vouloir acheter les produits sur ta boutique en ligne, ce sera le fournisseur AliExpress qui va leur envoyer le produit chez eux, d'accord. Et toi, du coup, tu vas prendre la marge qui te reste du produit après avoir payé la
la pub Facebook, ta boutique, etc. Donc ça aussi, c'est un levier qui peut être intéressant. Le dropshipping. Après, il y a aussi la vente par Amazon. Alors là, par contre, ça demande un apport par rapport au dropshipping où vraiment là, tu n'as aucun apport parce que c'est le fournisseur qui fait tout. Pour Amazon, il va falloir que tu achètes un stock d'un produit, que tu l'envoies chez Amazon. L'Amazon va le stocker chez eux et après, ils vont le mettre au niveau d'Amazon sur leur site. Et quand les gens vont acheter, bah après, là, ils vont l'envoyer. Donc voilà, donc tout ça, c'est aussi une possibilité, sauf que là, ça te demandera un apport. Donc en tout cas, c'est une possibilité, si jamais tu aimes ça, l'import-export, c'est une possibilité pour pouvoir te faire de l'argent sur Internet. Septième, les transcriptions vidéo. Donc les transcriptions vidéo, c'est souvent utilisé, par exemple, pour... alors il y a plusieurs manières, il y a aussi après la traduction des vidéos, enfin tout ce qui concerne ça. Donc faire des sous-titres par exemple, donc tu peux faire des sous-titres en français, par exemple d'une vidéo. Donc ça c'est important, par exemple surtout sur Facebook, c'est bien de mettre les sous-titres en même temps sur une vidéo. Quand tu as des vidéos, faire une transcription sur ton site internet, comme ça ça permet d'avoir les mots-clés qui reviennent en fait dans ton article, en faisant la transcription de ta vidéo. Ça peut être aussi la traduction de vidéos anglais-français ou français-anglais, d'accord. Donc ça, c'est une possibilité de pouvoir faire de l'argent. Et tu peux par exemple te mettre sur 5euros.com pour pouvoir proposer ce service. Huitième chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, c'est le trading. Alors le trading, si jamais tu aimes le trading, c'est une possibilité de pouvoir gagner de l'argent. D'accord, donc il faut savoir bien gérer ses émotions, forme-toi évidemment. De toute façon, tout ce que je t'ai dit, il va falloir que tu te formes. Plus tu seras bon dans ce que tu fais, plus tu auras des clients et plus tu pourras augmenter tes tarifs. Tu vois, c'est juste, c'est logique, basique. Sois le meilleur dans ce que tu fais et tu gagneras de l'argent. Donc pour le trading, bah c'est pareil, forme-toi, plus tu seras bon et expérimenté, plus tu gagneras de l'argent. Neuvième chemin pour pouvoir faire de l'argent, faire des podcasts que tu mets sur iTunes, sur Google. Donc ça c'est un truc qui revient un petit peu à la mode, les podcasts. En fait, c'est le même principe que YouTubeur, tu vois. Tu crées une audience, mais via des audios. Donc c'est une manière aussi de pouvoir créer une audience et de du coup pouvoir la monétiser si jamais avec cette audience-là, si jamais tu fais, je sais pas moi, des podcasts sur l'anglais, ben après tu peux leur proposer une formation en anglais pour pouvoir aller plus loin, etc. Dixième chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, l'agence digitale. Alors l'agence digitale, le principe, c'est de maîtriser en fait tout ce qui est pub Facebook, tout le marketing en fait payant des réseaux sociaux. Ça permet de ramener des prospects en fait directement vers une cible, que ce soit un magasin ou physique, d'accord. Ça peut être, je sais pas moi, ou une salle de sport ou une page de vente pour ceux qui sont infopreneurs. Quand tu maîtrises ça en fait, c'est ce qu'on appelle de ramener du trafic vers une offre. Et ben ça aussi, tu peux gagner énormément d'argent avec ça et très rapidement. Donc ça, pareil, il va falloir que tu te formes, mais c'est un des chemins qui permet de gagner de l'argent via Internet. Et ça, c'est demandé parce qu'énormément d'entreprises physiques n'ont pas cette connaissance en fait du digital. Tu vois, ils sont encore à l'ancienne, ils mettent pour faire de la pub, ils mettent des grands pour 4, là, des 3 par 4 là, dans la rue, tu vois, c'est même pas ciblé, etc. Enfin, ils savent même pas si jamais c'est vraiment quel retour sur investissement ils ont, contrairement à tout ce qui est pub sous le digital marketing. Ok, donc voilà, ça c'est le 10e chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet. Et le dernier, c'est devenir infopreneur. Alors, infopreneur, c'est de créer ton business en ligne. Le principe, c'est d'apporter de la valeur aux gens et de partager ton expertise pour pouvoir les aider dans ce que tu fais. Donc, infopreneur, ça fonctionnera toujours. C'est un business en fonction du secteur dans lequel tu es qui peut générer beaucoup de chiffres d'affaires, d'accord, des milliers, des centaines de milliers d'euros. Et c'est surtout quelque chose que tu peux faire dans ta passion. Donc par exemple, moi, le premier business en ligne que j'ai créé, c'était via mon blog sur le saxophone. Donc le saxophone, par exemple, me rapporte à peu près 2000 euros par mois. Tu partages ton expertise avec des gens qui sont dans le même délire que toi, vous partagez les mêmes choses et les mêmes valeurs. Donc c'est super cool, tu es content de les aider et en plus, tu es payé pour ça. Donc infopreneur, moi en tout cas, c'est ce que je kiffe. En tout cas, si jamais toi, tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Tu mettras ton mail. Moi, je t'envoie directement les 25 idées de business rentables
comment créer ton offre sans avoir d'argent. Je te montre comment créer tes tunnels de vente. Je te montre comment fixer les prix de ton futur service ou produit. Je t'explique tout de A à Z. Il y a énormément de contenu. Après avoir fait cette formation offerte, tu pourras commencer directement ton business en ligne. Ok, donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On est déterminés, on lâche rien.